Donc c'est Valérie Mignoux, verger pomme d'Api. J'ai planté en 2010 en fait le verger avec mon époux qui m'a rejoint par la suite. Et en fait on a planté en 2010 une première partie de verger. On a attendu que ça grandisse, donc chacun a gardé son travail. Et ensuite en 2013 on a replanté un petit verger. Donc c'est un verger de pommes. Pomme à couteau essentiellement. Donc le nombre de variétés, c'est on a une 22 variétés en de pommes, 3 variétés de kiwis, des kiwis précoces, des kiwis jaunes, des kiwis verts, et 5 variétés de poires. Et donc le tonnage de l'année en pommes, on est aux alentours de 100. L'objectif c'est 100 tonnes. Voilà, on est content quand on a 100. Donc c'est vrai qu'au verger, on a choisi de mettre des variétés de nèfles, des coins. Bon, c'est des toutes petites quantités de production, mais j'avais le souhait de remettre sur les étals en fait des fruits qui ont complètement disparu, surtout le nèfle, parce que la nèfle c'est un fruit qu'on trouvait que les anciens avaient quand ils allaient marcher quand ils allaient à l'école. Ils avaient ramassé ça sur les chemins et ils s'en délectaient. Et le jour où j'en ai sorti sur les marchés, j'ai vu, ça faisait comme une Madeleine de Proust, quoi. Les anciens, ils étaient contents de trouver des nèfles comme ça. Ça leur rappelait des choses qu'ils n'avaient plus accès parce que, habitant en ville, ça se trouve pas du tout. La récolte des pommes se fait du 15 août, à peu près 15-20 août, à mi-novembre en général, quoi. Voilà. Pour les kiwis, en fait, on commence la récolte vers le mi-octobre et on la termine mi-novembre. Alors on vend essentiellement en biocoop en fait. C'est 80% de nos ventes, c'est biocoop. Sur le Finistère en fait, on fait toutes les biocoop du Finistère. Alors, on a planté en 2010, donc dès le démarrage, on a converti le verger en bio. Donc, en 2010, et on a eu la certification 3 ans plus tard. Parce que comme ce sont des pommiers, ça met 3 ans à être certifié. Je ne considérais pas que c'était possible de produire autrement qu'en bio. J'ai interdit à mon mari de s'installer si c'était pas en bio, déjà. Parce que pour moi, d'une part pour la santé des personnes qui produisent, des consommateurs, de l'environnement sur lequel on est, parce qu'on est quand même sur un bassin versant qui alimente aussi le secteur de l'Orient, on est le bassin versant du Scorff. Moi, même si mes parents étaient conventionnels, c'était des producteurs conventionnels, donc il a fallu aller progressivement pour convertir, parce que je voulais pas bouleverser non plus tout le monde, et faire en sorte que les gens soient fâchés les uns avec les autres. Il était préférable justement d'amener tout le monde au consensus que en bio c'était mieux. La philosophie de la bio, produire au plus proche du naturel, ça veut pas dire qu'on fait rien non plus au niveau de, mais il faut quand même arriver à en vivre, produire pour en vivre, pas forcément pour faire des affaires, c'est pas du bio business en tout cas qu'on veut faire ici, hein. C'est pour ça que même s'il y a du terrain autour, on n'a pas du tout envie de planter, devenir une grosse société. L'objectif c'est de trouver un équilibre de vie, de se sentir bien dans les produits qu'on propose aux consommateurs. On est content parce qu'on sait ce qu'il y a dedans, que ça a de la valeur au niveau gustatif, au niveau qualité. Et comment est-ce que je pourrais donner des conseils de dégustation aux consommateurs? Moi, je pense qu'il faut aller de la plus sucrée vers la plus puissante et aromatique comme la Gold Rush. Ça, c'est il faut pas les goûter les unes après les autres de manière désordonnée. Parce qu'en fait, si on goûte la Gold Rush en premier, elle va casser les arômes des autres, en fait. Et donc, du coup, c'est un petit peu embêtant parce qu'on ne se sentira pas les qualités des autres. Mais il faut organiser sa dégustation. Voilà, on a différentes variétés de kiwis dans le verger. Donc, il y a des kiwis jaunes qui sont précoces, qui sont plus sucrés.
Elles peuvent avoir une légère coloration vert pâle à jaune en fait en début de saison. C'est la Belle de Chine, Chinabel, elle a deux noms. Et en fait, cette variété-là, qui est précoce, plaît beaucoup aux enfants, aux personnes qui aiment pas trop aciduler. Et c'est une belle, belle, c'est une belle, un beau fruit pour mettre dans les salades de fruits, par exemple. Après, il y a une autre variété, la Moncap. Elle est particulière. C'est une variété verte de gros calibre qui a beaucoup d'acide et du sucre, donc elle est plus précoce, donc elle arrive presque un mois avant la variété qu'on a l'habitude de voir dans les biocoops. Les kiwis en général ne se conservent pas avec les pommes parce que les pommes, l'éthylène de la pomme, la respiration de la pomme va faire que ça va faire mûrir les kiwis. Donc il vaut mieux les avoir bien séparés, même pas dans la même cave.